L'actualité nous amène à Gambela. Le marché Gambela fait partie de trois principaux marchés de la ville qui seront incessamment modernisés, annonce faite par l'autorité urbaine lors de sa visite au marché de Matete. Ces marchés urbains sont devenus des foyers des immondices où l'insalubrité a atteint un paroxysme sans précédent. La surpopulation a donné lieu au marché pirate qui expose les denrées alimentaires sans respect des normes hygiéniques. Cette modernisation annoncée devra également donner leur réponse aux problématiques des spoliations en vue de marchés salubres et aérés. C'est une partie du marché Gambela spoliée par ce sujet libanais. Surpris par le gouverneur en pleine construction, pourtant l'espace servait de station de transit de déchets de tout le marché. Depuis, les vendeuses ne savent plus où déverser leurs immondices et certains transforment leurs grandes artères en des charges publiques. La réaction de l'autorité est imminente. Pourquoi on a tout un programme pour moderniser le marché, notamment à Zandwa Modene? La modernisation et la réhabilitation des marchés fait partie de notre programme, ce qui justifie notre descente sur le marché central, Gambela et Matete. Les vendeuses nous ont alertés sur les constructions anarchiques dans ce marché. Et nous sommes descendus ici sur place, nous avons trouvé cet espace qui servait jadis des stations de transit des déchets, spoliés par ces sujets. On ne sait pas à qui ils ont acheté, mais nous allons démolir. Ainsi faciliter la modernisation du marché, une façon pour nous de répondre aux attentes de ces vendeuses. L'autre démolition annoncée, c'est celle du marché pirate pour fluidifier la route. Consciente de leur forfait, les vendeuses ont sollicité du gouverneur de la ville une alternative pour ce marché qui est surpeuplé. Une des problématiques abordées entre Ngobila et l'administratrice de ce marché. À Kinshasa, nous faisons face à des défis énormes de la mobilité. Pendant que nous travaillons pour y pallier, voilà des voies qui se transforment en marché, ce que nous n'accepterons pas. C'est pour cela que nous devons dégager la voie pour permettre la mobilité des personnes et des véhicules. S'agissant de la route Gambela qui porte le nom du marché et celle qui mène derrière vers ces marchés, nous allons la réhabiliter et la moderniser. Une visite de pavillon a permis à Gentiline Ngobila d'enregistrer les doléances de vendeuses. À leur tour, elles ont rassuré le numéro 1 de la ville de leur appropriation de l'opération Kinbo Peto.